Tu fais pas Thomas car tu n'as pas la capuche de Dark Talk. Ouais mais j'ai pas froid là, il fait pas froid aujourd'hui. La capuche c'est quand il fait froid. Surfing USA. Oh là là, ça me donne Millie au premier champion. La game est déjà curse. Mais qui abuse pas du tout. Ah! Ok, le retour! Ok, je crois que c'est la deuxième chance pour le serpent, je crois. Le serpent va pouvoir se rattraper, je pense, là. C'est maintenant, là. Feels good for the snake. Everybody's talking. Oh là là. La musique de l'OM. Encore Cassio? Allo? Ok, j'ai 4 Cassio et j'ai du stuff Shogat en plus. Et une tire pour Cassio. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, hein, je pense. Hein. Miss Snake. Le serpent à sonnette. Là, c'est le serpent à sonnette, mesdames, messieurs. Là. Bon du coup je clique pas sur la spat ce coup-ci je pense en vrai. Quoique la spat combattant c'est bien mais bon c'est risqué quoi. Non, par contre j'aurais dû rentrer un autre perso du coup si je voulais cliquer sur la spat. Bof du coup. Oh, bof aussi. Oh j'ai 5 Cassio. Si je gagne ça fait 10. Ça dit j'ai 6 synergies, hein. Est-ce que je craque le tome au prochain tour? Ouais, le problème de craquer le tome, c'est qu'en vrai, à part combattant et Shurima, le reste c'est naze, non? C'est ça l'idée quoi? Non, mais en vrai, le tome est nul avec cette compo, mais bon. Mais le reste que j'avais. Bon, j'aurais pu reroll le tome encore, tu me diras. Mais... En vrai, j'aurais pu prendre distanciation sociale, mais ça me paraissait naze aussi. Dans mon setup. En tout cas, je suis sûr d'avoir un Sion au stage 5, du coup, c'est l'avantage si on joue combattant avec Fontaine de Rêve. On est sûr d'avoir récupéré Sion au moins, quoi. Même si j'ai pas la spat. Incantateur, c'est nul aussi en vrai. Hein. Ouais, est-ce qu'à votre avis, je grid? Est-ce que je pète le top? Soit il faut bien, hein, c'est maintenant ou jamais, je pense. Hein. Mais on va dire que sur celle de gauche, j'ai 4 outs de merde et 2 outs pas mal, quoi. Bon, YOLO. Oh la chatte! Bon ça m'a pas empêché de perdre la game d'avant quand même quoi mais bon. Parce que si j'ai 5 Cassio par contre. Wouh! Bon je reste éveillé en fait finalement. Tant que faire. Bon, je vais rien tuer là. Bon, en vrai, si je gagne, j'ai pas le palier, mais bon. J'ai pas une vente de l'Emilio ce coup-ci. Enfin, si je perds, j'ai pas le palier, mais en même temps, je continue la loose streak. Bon. Je pense qu'on ira pas chercher le palier si je perds, en vrai.
Dans l'absolu, il vaut mieux faire 5 défaites d'affilée et pas avoir le palier, je pense en vrai. Je pense que c'est idéal. Genre ne pas avoir le palier, c'est pas dramatique si on perd les deux fights d'après quoi. Okay. Bon, lui il va clairement gagner en vrai. Hein. Par contre, si on peut flinguer le Darius, c'est cool. Enfin, musique de circonstance vu le stream. Hein. Putain, ça focus des cibles différentes. Allez, on fume le Warwick. Allez, Emilio. Allez, Cassio. Allez, Splem. Voilà. Sinon, tu avais Spet Noxus, tu avais une mauvaise sortie, mais t'es OTP. Mais je suis pas OTP, arrêtez. C'est vrai que dès que je joue pas Noxus, les LP baissent en vrai. À quel moment on a décidé que j'étais OTP Noxus? Franchement, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie, mesdames, messieurs. J'ai pas honte de le dire. C'est honteux ce que vous dites. Bon, je fais un blue buff en prio. Il m'en faut 3 des tirs, hein. Il faut rédemption et blue buff. Donc il en faut beaucoup quand même. Hein. Da -da 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 -da. Du -du 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 Silence. Ah mais du coup c'est relou parce que j'ai pas le palier les 30 maintenant. Mais en même temps c'est normal, je vais toujours être en décalage au palier mais... Après j'aurais peut-être pas dû slam parce que... Ouais après le lobby est strong. Oula oula. Bon lui en vrai Est-ce que je vais faire ma Cassio de blue buff en fait, c'est ça la question quoi. Je pense qu'ils me battent tous les deux, je pense en vrai. Bon, lui, l'action se pose pas. Peut-être le dernier fight, on va int. Après, le fait de pas avoir int fait qu'on va au moins clean un champion, voire deux. Le fait de pas avoir int, c'est pas mal. Genre, ce serait bien de tuer les raids, on serait récompensé. Ouais, très bien. Encore un Cho'Gath. Non, mais là, j'ai commencé direct la partie avec un Cho'Gath, 3 Cassio, quoi. J'étais obligé là. C'est la deuxième chance pour le serpent à Sanette. Espérons que la musique ne soit pas vectrice de malheur quoi. Bonjour Sleepy. Comment ça va Sleepy? Est-ce que t'as bien dormi? Sleepy qui comme d'habitude se réveille à 11h, n'ayant pas de travail. Il a tout le luxe de pouvoir dormir très tard tous les jours. Le tout financé avec vos impôts mesdames messieurs. Non c'est pas vrai. C'est pas... People writing song. Ah je vais in pour être sûr de perdre, je pense en vrai Nika. On a joué sur la loose streak. Bon en vrai j'aurais quand même perdu je pense mais bon. Je pose depuis 9h15. Ah tu télétravailles pardon. 9h15 en télétravail c'est... Ça va aller Sleepy, est-ce que tu vas survivre à cette journée de travail Sleepy ou pas? Tu me dis si tu veux que je t'apporte un café. Franchement c'est tôt à 9h15. Hier on a fait une partie de Dune Imperium Sleepy avec Florian, Emmanuel et Rémi. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Oui mesdames, messieurs. Il y a des news qui donnent le smile. Hein. Rumble. Non, pas beaucoup. J'espère qu'il va y avoir un peu de thunes là. Quelle limite j'ai envie de vendre la vaille pour faire mes 50 et pour avoir un peu des golds à roll au 4. Ceinture, ok, c'est pas mal. Dune Imperium, yep. Ouais, par contre là mes rolls ils sont apocalypse. Oh, c'est l'apocalypse mes rolls en vrai. Non, oh, j'ai les pires rolls. Oh, c'est FF1. Hein. Vraiment, je trouvais 0 Cho'Gath, 0 Cassio, 0 Rennec. Une catastrophe les rolls, quoi.
catastrophe totale quoi. C'était pourtant bien parti, j'ai trouvé 0 Cho'Gath. Je suis dévasté quoi. La dévastation est totale. Pas super engagé cette histoire. Ouais, j'ai pas besoin de Pandore, j'ai tout. Ah, oh, vas-y, je prends le palier 1, je crois. Oh, le mec désespéré quoi. Attends, faudrait que je roll avant de ramasser des trucs, non? Après, non, mais maintenant, ouais, si. Catastrophe totale quoi. Non, mais j'ai des rolls, non, mais vraiment, c'est des zinzins quoi. Après, je pense que question 3 par contre, cependant. Bon, j'ai question 3 presque. Politics. Et j'ai presque milieu 3 aussi. Faut connaître l'emplacement des champions aussi. Aucun intérêt parce que dans tous les cas tu... Dans tous les cas tu... ils se transforment pas en gold tu vois si tu les ramasses. Tu peux pas les ramasser si ton banc est full. Tu t'en branles de connaître l'emplacement. J'aimerais bien perdre mais... Dommage. En même temps on va avoir question 3 bientôt, on va commencer à être fort. Mais tu vois là ça aurait fait une good loss encore, mais bon c'est pas grave. Cho'Gath. Oh j'ai pas cliqué putain. J'ai cliqué à côté. Ah oh, j'ai cliqué à côté. Oh putain. C'est le con de votre dîner. C'est le con de... C'est le con de votre dîner quoi. J'ai pas trop les moyens d'acheter les vailles Sleepy pour l'instant. Enfin, acheter une, mais. Pour l'instant, Sleepy. Je suis à la tête d'un état en faillite, Sleepy. Je peux pas me permettre de dépenser comme ça dans des dépenses futiles. Mais c'est pourquoi je prends 4 brawlers, je suis 6, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Ah mais parce que la game d'avant j'avais la... Non mais j'avais zappé que j'avais la spade brawler, c'est vrai. Mais bien sûr que c'est mieux les gars, bien sûr. Mais bien sûr que c'est mieux, évidemment. J'avais zappé que j'avais la spade. Mon mauvais. My mauvais. Faut quand même une rédemption Nick hein. Ça fait ma troisième tir et ça fait 4 gold en plus. Ta-da-ta-ta. C'est bien, c'est moi ou Wemby pour l'instant ça se passe pas bien à la NBA. Genre tous les matins où les Spurs jouent, je regarde et. c'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire, j'ai l'impression quoi. Pauvre Wemby. Ta-da-ta-da-da and the movie stars. Voilà les rolls, c'est pas mal. J'ai envie d'aller push un peu plus loin. J'ai rien gardé la win streak. 9 millions. Bon, je suis allé plus pour milieu, mais Cho'Gath était une très très bonne out aussi. Hein. Deux off Cho'Gath ? No ! Full Cho'Gath ! Bon, ce coup-ci, j'ai bon espoir pour le top 1, honnêtement, là. On a vraiment bien touché. En fait, on va même toucher milieu et Renekton aussi, j'imagine. Le temps de remonter à 50. Never punish. Punish de quoi, punish. Franchement, la game a été emmenée de manière exceptionnelle.
Je pèse mes mots, Sleepy. En plus, c'est le Shogat, il va avoir tout le luxe de stacker, je pense, dans cette game en vrai. Je suis parti pisser, t'avais 4 Shogat. Écoutez, il y a eu l'appel au drapeau. J'ai sonné le tocsin, comme dans Warcraft. Sonnez le tocsin! Ils sont derrière moi! Toc, toc! Ma vie pour la horde. Quelle nature est belle. Encore du travail. Encore du travail. Tog tog! Croix du dragon! Prends des baguettes maintenant, s'il vous plaît! 50 gold, nickel! Bon, pour un GS, l'épée éventuellement? Bon, je trouvais Sej. En fait, je suis Wall of Renek et Wall of Milio. Je me dis que si je veux les trouver, c'est maintenant ou jamais en vrai. C'est cadeau normalement, Renek Milio, non? Bon. Ouais, j'ai tout level 3, on est vraiment dans la version idéale là pour le coup. Hein. Attends, faut du stuff Cassio et on en parle plus quoi. Je pense qu'aller chercher de Renek en toute 50, c'était. Je sais pas. Peut-être pas obligé en vrai, je pense. Je me suis un peu chauffé, j'avoue, parce qu'on peut juste passer en 6 brawlers au niveau 7 là. Je l'ai trouvé à peu près dans les conditions de temps auxquelles je m'attendais à le trouver, pour être honnête, donc ça va, mais. 1, 2, 3, 4. Ça dégage. C'est pas mal le bouclier les PV max, non? C'est quoi le win rate de l'augmente? Même musique mais pas le même jeu. C'est pas faux. Ouais, c'est pas incroyable. Bon, quand t'as terre on s'en branle. En vrai je prends le cadeau d'adieu je pense. Ah, c'est pas mal la forge aussi. Ouais, je vais tester ça, tu sais quoi. Je suis parti 4 ans. C'est vrai que ça fait longtemps. J'allais dire que Shogat était intuable, mais bon. En tout cas, il a transmis la Brumble et un shield à ses juaniers. Non, Cassio à la Brumble du coup. Oh putain, mais c'est nul! Ah, je suis dingue. Non, attends, oh non, quoi? C'est bon, je veux. Mental breakdown, ça y est. C'est juste le mental breakdown, les amis. C'est le mental breakdown.
C'est fou comment ça quand même pour être en air de suite. C'est pas faux, ouais. L'ambiance pendaison ce matin. Musicalement parlant, bien sûr. Il y a déjà un Queen 3 FF. Ah, il est là, tiens. Ça me fait peur, Queen 3. Bon, après, j'avoue que s'il récupère un GS. Il n'y a pas de Spat Slayer, il n'a pas de Spat Demacia, donc en théorie, c'est pas. Finalement, cadeau d'adieu, c'est un peu de la merde, vu qu'il y a que enfin, limite que Shogat solo front pour rentabiliser cadeau d'adieu en fait. Qu'il n'y a que lui qui porte des items. Ah, mais elle est morte, Gastio. Ah, bah, FF. Hein. Finalement, ça me fait peur, finalement, je retire ce que j'ai dit. Hein. Finalement, ça me fait très peur. Après tout, on peut peur des morts. Après, quand je vais passer en 6, ça sera mieux. Y'a pas un Sion? Dommage. Après, j'ai pas de stuff sur Cassio, hein. C'est peut-être là que le bas blesse. Hein. Je pense que je prends de quoi faire un GS sur ma Cassio maintenant. Ouais, comme ça, elle aura au moins un item. Non, parce que zéro item à part le blue buff, ça commence à se voir là, concrètement. Ok, GS. Bon, en vrai, je peux level up maintenant pour entraîner Rek'Sai, je pense. Hein. Ah, on va la trouver avec ça, c'est pas un perso qui est trop conteste. Oh. J'ai une curse. Je crois faut solo fond le Shogat, je crois, du coup. Twist and shout, twist and shout. Voilà, comme ça, il prend l'aggro de tout le monde. Je pense que je préfère en vrai. Comme ça, s'il meurt, au moins il retransmet ses items avec du shield au moins. Comme ça, ça peut spread en vrai. Ça oh, j'ai pas de dégâts, ça, c'est vraiment la misère là. C'est misérable quoi. Non, mais en fait, c'est notre quantité de dégâts qui est misérable en fait. Dans deux rounds, Sion arrive. Ouais, on récupère forcément Sion en 5-1 avec machin des rêves. Enfin, après ce round là même. Hein. Donc si on va faire du bien, je pense qu'on va tèche Rek'Sai, je pense, Nick. Après j'avoue que là, franchement, l'antil elle a l'air importante dans cette partie. Après Cassio en soi, elle fait de l'antil, mais c'est du mono-cible quoi. Après en soi, c'est Cassio qui est censé buter ses cibles, donc j'ai envie de dire... Puis c'est la BO de Breaking Bad. C'est vrai qu'il y a des bonnes musiques dedans, c'est vrai. Ah, j'y penserai. Je vais pas couper les Beatles quand même, quoi. Twist and shout, twist and shout. Parlons du vol du ballon d'or. Oui, ça c'est un vrai sujet, ça. C'est Viting. Ouais, il a stacké. Mais il stack plus maintenant ce perso, c'est une catastrophe en vrai. Par contre, tu fais des baguettes là. Ça va avoir une game 0 baguette là. Oh, coup de main de Nico qui sert à rien. Super. Ah, donc c'est FF pour la baguette déjà. Ah, d'accord. Enfin, c'est FF pour le spell crit en tout cas.
Alors 6-1, t'auras sur deck la Nico. Yep. C'est loin quand même. Hein. C'est beau, mais c'est loin quoi. C'est beau, mais c'est loin. Alors, Renekton il tombe vite ce bâtard. Bon, au moins, la Yannick elle spread quoi. Ça passe, mais chaud sa mère. Hein. Tant qu'on avait rentré un Hammer, il va me donner ma sentinelle, Hammer éventuellement. C'est un peu l'idée, je pense. C'est quoi là? Oh, je suis crevé, vraiment, j'ai plus l'âge pour me coucher à 2h du mat. Heureusement que j'ai gagné à Dune. Ce mec qui fait que répéter qu'il a gagné, tu sais. Ah, ça va, je gagne jamais, pour une fois que je gagne, laissez-moi le répéter quoi. Makassio est en train de se faire tabasser par le Sion là, mais par contre Makassio a tabassé le Mordekaiser adverse. Putain de bonne nouvelle en vrai. Attention au vilain Azir. Ça va. En vrai le Chrono du Dragon qui se prête sur tous mes persos contre une team qui joue Azir et Mordekaiser, c'est vraiment très très fort pour le coup. C'est vraiment très fort. C'est la musique qui t'endort. Mais non mais... Aucun goût. J'ai pas une musique qui réveille si vous voulez. Tu vas top 1 car j'étais pas là. Je sais pas, Anaïs, ça t'arrive là, tu vas me curse hein. Ah, le blue buff sur Cassio ça bouge pas, ouais, en vrai. Autant sur Vel'Koz, tu fais Shojin maintenant, plutôt typiquement. Sur Cassio, tu fais autre chose. Salut, bisous, hein. Salut, mec. Ok, nice. Oh wow. Franchement, je pense que c'est Rabadon si je peux en vrai tant qu'à faire. Ah, ça va être pique. Ah, genre, ça sera pas Spellcrit, mais au moins ça lui donne un peu d'AP. Je prendrais GP en vrai pour l'instant. Si j'ai avec ça, ça rentre à la place de Vaille ou pas? Vaille, ça donne du shield de moi. Moi j'avoue que je suis plutôt sur une recherche de mes mères là. Mes mères d'ingé. GG Gilkos. Ça va gagner, je pense. Attention quand même au. Ah, ça va, ça va. Le milieu il reste encore tous ses HP en vrai. Coup de main de Nico, on le garde pour Sion du coup. En 6-1, on est sûr d'avoir un Sion avec cette map là. Du, du, du.
used to be. Fight un peu clutch parce que j'ai pas encore mon Sion 2. Après ouais, c'est le mec que j'ai fumé tout à l'heure grâce à mes crocs du dragon en vrai. J'ai fumé le mort de Kaiser. Déjà le Sion a pas défoncé ma question ce coup-ci. Sans pas trop mal parti votre affaire là. Ah Shogun va mourir, le croc du dragon qui va sur Renekton. Là le croc va swapper sur Milio. Ouais ça va. Parce que Milio il tank un peu avec le croc du coup plus 6 brawlers. Yeah man. Bon il est level up quand même le mec en face déjà. Ça rigole pas là pour le coup. On va pouvoir Nicolas Sion. Faudrait juste récupérer un hammer à la place de GP, je pense. À part son, il faut quoi? Bah, Hammer idéalement, je pense. Je le pad! Voilà ce que je Et merci beaucoup, Froggy K, merci beaucoup. J'ai mis ta vidéo patch 10 vivement. Ah, bah ouais, j'ai fait une vidéo sur les trucs qui ont déjà été annoncés. Et je pense qu'on va sûrement bientôt avoir du nouveau, du contenu annoncé. Donc, pour refaire des vidéos. J'adore faire des vidéos. J'adore les vidéos. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Bon, je m'en branle, Dari. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. C'est Crow hein. Le Crow est très fort dans cette game, il y a full AP. C'est Crow sur Sion je pense. En vrai je suis vraiment choc par de ce Sion en vrai pour le coup. Bon en vrai ça empêche pas de perdre hein. Après j'avoue que la soirée 4-3 Non mais est-ce qu'à un moment donné tout le stuff va sur GP? Sur GP2? Je pense pas en vrai. Choc pas. J'hésite à mettre tout le gear sur GP, pas sur Cassio, mais je crois qu'il y a peut-être un monde où on meurt là, non? Je pense pas quand même, non? On meurt pas mais on gagne pas, ça c'est sûr. Quoique, GP! Ah oh, GP, connard! Ah, la seule qui fait un peu d'antil, c'est Cassio, donc j'ai pas envie de lui remove le stuff, quoi. Forcément. Je pense que je le bats lui en vrai. Avec ce setup je le bats, du coup j'ai pas envie de toucher en vrai. Mais après pour les autres que je perdais on pourra tenter en vrai. Ah putain mon Shogun s'est fait buter plus vite que d'habitude là en vrai. Ah mais en même temps il a tracé 9, maintenant il a Sion 2 et tout maintenant. C'est chaud en fait.
Ah, ma question est en train de se faire détruire par le sion là. Oh, question qui survient un HP. Ah, Atrox. Ah, oui, d'accord, le truc c'est. Quand il y en a plus, il y en a encore quoi. Ah, je suis mort, ouais, je pense. Ouais, j'avoue qu'en late ils étaient tous trop forts quoi. Je pense que les mecs sont juste. Ma compo elle cap en fait quand la partie va trop late game. C'est une compo qui cap extrêmement vite. Bon, c'est pas un top 4 qui va remettre du beurre dans les épinards après toutes les games qu'on a perdu. Hein.